Bonjour, on va faire la tier list des chemises. Voilà, donc ça c'est l'intro YouTube, moi je suis un professionnel. Hein. Moi je suis un peu un YouTuber. Hein. Alors est-ce que vous voyez assez bien ou est-ce qu'il faut agrandir? On peut agrandir un peu. Hein. Parce que moi je fais toujours les réglages en direct, hein, donc c'est un peu ma marque de fabrique. Donc voilà. Moi je suis un artisan. Deux artisans du talent. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Enfin, trop sympa ce Smarties. Hein. Trop sympa ce Smarties. Que je sois là demain pour Je veux chanter. C'est vrai, parce que c'est la première chanson et c'est le seul moment où je la chante. Donc vaut mieux être là demain tôt. Hein. Alors oui, putain, c'est vrai qu'il m'a filé les liens aussi pour la version... Attends, est-ce qu'il a mis le lien? Oui. J'ai aussi le lien pour les voir en plus grand. Merde. Le problème, c'est que des fois, ça rame un peu, donc... Alors... Donc là, c'est le lien pour les voir en plus grand. Hein. Donc, on va classer ces chemises d'après ce classement magnifique. On va commencer du plus bas au plus haut. Hein. Pour sortir les poubelles ou bricoler. Pour traîner à la maison. Pour tous les jours. Pour les soirées entre potes. Et pour les rencarts ou dîners d'affaires. Ok, donc on part du moins classe au plus classe. Je comprends bien. Je pense qu'on on part là-dessus. Putain, ouais, mais moi les chemises... Alors, j'aime bien les chemises, hein. Mais alors, après, les classiques là-dedans... La taille est OK, mais un petit Dark Mock serait bienvenu. Je sais pas s'ils font ça. Ils font ça, vous pensez? Je sais pas. On est pas assez bien... Je sais pas. Si quelqu'un sait si on peut faire ça sur... Sur ce magnifique site Tiermaker, j'achète. Alors, on va commencer avec cette chemise qui a l'air fort dégueulasse. C'est celle-là, hein. Ouais, celle-là. Ah putain, mais il me le met pas en grand. Ah si, c'est bon, faut que je double-clique. Ouais, ça va, en fait. Je la voyais un peu plus dégueulasse, mais... Ça va. Par contre, c'est un peu la tristesse des fleurs grises. C'est à ton navigateur, ça. Ah ouais? Bon, bah tant pis. T'as pas l'impression pour connaître pour les rencarts? Ouais, effectivement, mais bon, écoute, on en mettra une quand même, parce que moi, je veux quand même un top 1, quoi. En plein écran, ils ok. Ouais, voilà, c'est pas transcendant, mais... Bon, j'ai envie de dire pour... Bref. Ouais, peut-être plus pour traîner à la maison, quand même, parce que... Ouais, je me vois pas sortir dehors avec ça. Alors, la deuxième. Oula. C'est... C'est moche. C'est moche, je veux bien mettre des chemises, mais j'ai des limites, quoi. Donc ça, c'est pour sortir les poubelles. je pense qu'il y en aura plein dans pour sortir les poubelles. Ensuite, on a ça. Ah bah ça doit plaire à Koun, ça. Truc un peu médiéval. Truc un peu ancien. Pour ses cosplays, je pense que ça... Ça, je pense que c'est parfait, ça, hein. Bah, je pense qu'en fait, pour le commun des mortels, c'est poubelle. Mais je pense que pour Koun, pour les rencarts de Koun, je pense qu'il y a moyen. Hein. J'aurais pu mettre tellement de chemises, j'avoue. Non, mais ça va, je vois qu'il y en a des classiques et tout après, donc ça va aller. Et ensuite, on a une blanche archi-brillante. Ouais, mais tu vois, ça, c'est pour les... Enfin, tu peux pas sortir avec ça, quoi. Mais le mode présentation, mode en bas. Où ça? Présentation mode. Ah putain, merci! Putain, quel boss! Merci, général! Putain, quel boss! Hein. On va voir des tiers listes encore de meilleure qualité qu'auparavant, quoi. Merci. Pour fêter ça, on va mettre cette chemise brillante en poubelle. Voilà. Et en fait, je pense que toutes les chemises brillantes en soi. Je pense qu'elles vont toutes aller à la poubelle, en fait. Pour sortir. Non, c'est pas pour mettre à la poubelle, c'est pour sortir les poubelles. Ouais, mais putain, mais même pour traîner à la maison, je mets pas ça, quoi. Non, mais c'est quoi ces chemises brillantes, là? C'est n'importe quoi. Attends, ah, elle est pas brillante, celle-là. Si. Ouais, mais elle est moche, en tout cas. Elle est moche. Ouais, elles sont pas en soi. C'est vrai. Ah, on a une chemise un peu plus... On fait voir, celle-là? Ah, mais c'est une chemise genre musicale, quoi. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime bien.
Ouais, c'est stylé, ça. Ça, ça irait bien, une chemise comme ça, pour la voix d'un ange. En fait, je vais me l'acheter pour la voix d'un ange. Tu l'as eu où? Je vais me l'acheter pour... juste pour la voix d'un ange, je vais mettre celle-là. Allez, pour tous les jours, celle-là, je valide. Parce que franchement, elle est pas dégueu. Ensuite, on en a une de plein de couleurs. C'est celle-là. Oui, bon, bah ça, c'est... bah, c'est clairement de la récup de tous les tissus qui passaient à ce moment-là, quoi. Du coup, c'est poubelle. Hein. Ensuite, la marron... Oh putain, c'est quoi cet intérieur là? C'est un manteau ça, c'est quoi cette merde? Franchement, je la trouvais pas forcément très moche, mais là, l'intérieur, c'est quoi cette merde quoi? Boot inside, bah c'est... pour traîner à la maison à la limite, mais je sors pas avec ça. Hein. j'ai mon téléphone qui a vibré, c'est pas grave. Ensuite, on a celle-là. Ouais, ça va. Celle-là, je peux sortir avec. Celle-là, pour le coup. Là, j'ai pas de problème. Pas folle, mais bon. Celle-là. Alors, je pense que c'est une belle chemise, mais que ça n'irait pas sur tout le monde. Mais après, je la trouve plutôt sympa. La même en jaune, et je signe direct. Hein. Et je signe direct. À la limite, celle-là, je peux la sortir en soirée, à la limite. Ce sera elle l'élu du rancard. Ouais, je sais pas... Mais bon, enfin... De toute façon, je referai un choix à la fin, parce que là... on verra. Celle-là... Pas mal. Ouais, j'aime bien. Petit carreau rouge, là. Pour tous les jours, ça me va bien. Après, ouais, en fait, celle-là, ouais... Pour les rancards, c'est vrai qu'elle peut péter, hein. T'as la hache. Moi, tu sais, moi, j'ai que des chemises à carreaux, presque, donc du coup... Mais non, j'ai pas la hache. Oh, vouloir ma hache. Une autre chemise à carreaux. Celle-là. Ouais, pas mal. Je valide aussi la chemise à carreaux. Hein. Ça, c'est bien des trucs que je peux mettre facilement tous les jours. Hein. Bon, l'autre, ça va être un peu la même. Bien que je sois un peu moins fan... Ça fait plus pyjama, là. Je trouve ça moins... Ouais, je sais pas, le bleu comme ça, ouais, ça fait plus pyjama. Du coup, je vais la mettre pour traîner à la maison. Ouais. Mais quelle idée, la chemise à carreaux. Mais c'est trop bien, les chemises à carreaux, calmez-vous. Hein. Là, j'ai montré à mes parents la vidéo Pop Shaker, là. Ils m'ont vu, ils ont fait « Oh, t'aurais pu mettre autre chose qu'une chemise, hein ?» Je fais « Mais oui, mais moi, les chemises, c'est un peu ma signature, quoi. »« Ouais, non, t'aurais pu mettre un t-shirt, quand même, hein. » Hey, »« Eh, oh !» Hein, voilà. C'est quoi cette merde? Franchement, pour la blague, je pense que je pourrais traîner à la maison avec. Mais juste pour la blague. Parce que, bon, elle est pas si moche que ça. Hein. Qui a vomi sur cette chemise? Je trouve qu'elle est rigolote, en fait. Mais je la sortirai pas ailleurs. Quoi. Ah, la fameuse chemise dragon. Vous savez que quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'avoir cette chemise-là. Puis en fait, avec du recul, je me fais « Ouais, mais en fait, c'est pas fou, quand même. C'est pas fou. » Du coup, ouais, pareil, ça, pour... Ouais, je dirais que même pour sortir les poubelles ou bricoler, ouais, je trouve ça pas mal, en fait. Ouais. La suivante. C'est dur, quand même. Hein. Franchement, des chemises comme ça, ça va pas à tout le monde, hein. Ça fait quand même vla ringard, hein. Ça m'a vieilli, cette mode des dragons, c'est vrai. Ouais, celle-là... Ouais, je sortirai les poubelles avec, hein. C'est un peu... Je le mettrai en pyjama, tu vois. Oula, après on arrive sur des plus classiques. Après, moi, classique, j'aime bien, hein.
Ça, je crois que je dois en avoir une qui ressemble presque à celle-là. Je vais voir celle-là. Ouais, celle-là, bon, franchement, je peux... Les deux, là, je peux les mettre tous les jours. Hein. Y a pas d'embrouille. C'est simple, c'est sobre, c'est... Ça me va. Elles sont pas extraordinaires, mais c'est pour tous les jours, donc ça va. Ensuite, on a une blanche, là. Ah, tu vois, ça, par contre... Ouais, ça, par contre, je le sors en soirée, ça. Une chemise... Enfin, en rancard, pour un truc solide, quoi. Plutôt du blanc que du rouge. Rouge, c'est trop... Bah, de toute façon, c'est les mêmes, en fait. C'est juste que celle-là, elle est en blanc. C'est... Je pense que, ouais, la blanche comme ça, c'est imbattable, hein. C'est archi solide, hein. Franchement, ouais, non, c'est... Je pense que ça, top 1, je pense que le top 1 il bougera pas là. En blanc comme ça, c'est nickel. La chemise militaire, non. La chemise à carreaux comme ça, la chemise rouge. Ah, elle fait un peu épaisse. Hein. Mais tu vois, ça, pareil, c'est bien le genre de chemise que je pourrais mettre en soirée, tu vois. Qu'est-ce que je mettais moi comme chemise en soirée? Ouais, je pense que au vu de ce qui reste, ouais, celle-là je la mettrais bien en soirée, tu vois. Bon alors par contre la suivante, je suis un peu, ça va être compliqué là parce que je peux pas vraiment la classer quelque part. C'est voilà, là je suis, ouais. Après on peut mettre cette chemise pour certaines soirées, mais voilà. C'est pour certaines soirées spécifiques, quoi. C'est... En fait, cette chemise-là, c'est juste une invitation à... C'est juste une invitation à l'ouvrir, finalement, donc... À la limite, pour traîner à la maison, si. À la limite, pour sortir... Pour traîner à la maison, ouais. Genre, t'es avec ta compagne ou ton compagnon... Si, voilà, t'es avec ta compagne, bon bah voilà, tu mets ça, puis voilà, il se passera ce qui se passera, quoi. Une chemise verte kaki comme ça. Alors, vous connaissez ma. Enfin, maintenant, grâce au tier list, vous connaissez ma passion pour le kaki. Bon, alors, quoique, c'est pas vraiment du kaki, c'est du vert. C'est poubelle. Ça, clairement, poubelle. Et ensuite, on a une bleue. C'est laquelle? Ah, je la vois pas. Je la vois pas là-dedans. Celle-là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais... Au vu de loin, je pense que pour traîner à la maison, c'est pas mal. Au vu de loin. Là, je n'arrive pas à zoomer. Ensuite... Merde, je peux regarder, c'est la jeune... Ça, c'est ce qui m'emmerde un peu avec les chemises jaunes, c'est que c'est toujours du jaune moche, jaune moutarde ou jaune marron. Enfin, c'est jamais un jaune pur, quoi. C'est du coup, c'est pas fou, quoi. Pour rester à la maison, pour traîner à la maison, je pense que ça va. Ah là, je pense qu'on va avoir une petite pépite là. La petite pépite, la chemise du Japon. Putain, ouais, mais ça, même chez moi, je peux pas traîner avec ça, en fait. Ah non, c'est trop fleuri, c'est... Enfin, c'est... Je pense que ça doit aller chez certaines personnes, mais voilà, c'est rare. Poubelle. Ensuite, on a une verte, c'est celle-là, c'est la verte pure, là. Alors, pour le coup, des chemises vertes, j'en ai pas. Alors déjà, pour le stream, ce serait relou. Si t'as pas de miroir, pourquoi pas? Ouais, c'est un peu ça. Hein. Alors attends, une chemise verte comme ça? C'est... Alors, ah, si. En fait, comme le logo de ma boîte, c'est du vert, franchement, je trouverais pas déconnant de prendre cette chemise-là pour les soirées dans ma boîte. Enfin, j'allais dire le nom de ma boîte, terrible. Donc pour tous les jours, ouais, je vais la mettre en pour tous les jours. Exceptionnellement parce qu'elle est verte et... Après j'en trouve une de chemise verte comme ça. Ensuite on en a une verte un peu moins verte. Celle-là? Ouais, c'est celle-là.
Ouais, mais tu vois, celle-là, elle est verte foncée, tu vois, celle-là aussi, c'est pareil, c'est... Elle passerait peut-être mieux dans la vie de tous les jours, quoi. Mais ça, juste pour la blague, je la prendrais, quoi. Chemise rayée. On n'a pas eu beaucoup des chemises rayées. Ouais, pourquoi pas. Je trouve pas ça transcendant, mais c'est pareil, ça peut se mettre tous les jours. Carreau rouge. Ça, c'est pareil, je pense que c'est un truc... Mais tu vois, le problème, c'est que carreau rouge, on arrive vite sur nappe, en fait. Et nappe... Enfin, tu me diras, il y en a plein qui font nappe, hein, mais celle-là, je trouve que carreau rouge et blanc... Ça, c'est tu pars vraiment en pique-nique, quoi. C'est un peu trop. Si t'es représentant chez Cochonou, ça passe crème. Ouais, mais c'est pas le cas. Un jour, peut-être que je serai sponsorisé par Cochonou, hein. Il y a un moment, il y avait des streams sponsorisés par Cochonou, je crois, non? Ou par Bâton du Berger, je sais plus. Il me semble, hein. J'ai pas de conneries. Ensuite, on a les chemises... Là, cette chemise-là... C'est original. Original, mais c'est pas dégueu, mais c'est original. À la limite, pour les soirs entre potes, pour la blague, ouais, allez. Pour la blague. Au pire de bon moment. Mais en stream, elle fait pas de confiture. Et la dernière, je pense que celle-là, on va tous être d'accord. Putain, c'est la chemise de Noël. Putain, faudrait vraiment que je m'achète des chemises... En fait, il faudrait que je me trouve une belle chemise jaune. Et une chemise verte, ouais. Aussi. Bon, celle-là, je pense qu'on est tous d'accord pour la mettre à la poubelle. Voilà, parfait. comme ça, on prend bien tout l'espace... tout l'espace de l'écran. Bien joué, hein. C'est vrai que j'ai, moi, pour Noël, je sais pas laquelle je vais mettre de chemise. Souvent, j'en mettais une rayée violet. Enfin, une chemise noire. Avec des rayures blanches et violettes. Et franchement, je crois qu'il y a beaucoup d'années où je l'ai mise, celle-là. Mais je crois qu'il y a une année où je l'ai craquée. Parce que, bah, au fur et à mesure des années, forcément, à Lille, forcément, tu prends un peu... Voilà. Voilà. Bon, bah voilà, qui clôture cette magnifique tier list des chemises. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, évidemment, nos chers amis de YouTube. Hein. Et je vous fais des bisous et à la prochaine tier list. Des bisous, YouTube. Bisous.